ne manquez plus aucune émission. Voilà. Des inondations et des dégradations des chaussées. Sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a pris des mesures pratiques pour procéder de manière régulière au curage des caniveaux et collecteurs de la ville, province Kinshasa. Conformément aux orientations qui nous ont été données par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, il nous a instruit de pouvoir travailler avec les bourgmestres ainsi que la ville pour que nous trouvions une solution pérenne. Nous avons aujourd'hui défini un certain nombre d'artères et de caniveaux, de collecteurs qui vont faire l'objet effectivement d'un curage de manière à pouvoir régler un tant soit peu cette problématique. Le ministre d'État des ITP et les responsables des services sous sa tutelle ont noté certains faits qui rendront difficile l'exécution des travaux de curage. Les caniveaux sont obstrués, les gens construisent sur les lits de rivière, les lits mineurs, les lits majeurs. Vous savez qu'il faut qu'il y ait normalement un dégagement suffisant pour que les rivières ne soient pas rétrécies et donc constituent finalement un goulot d'étranglement. Et cela nécessite non seulement des travaux de curage tels que nous le faisons aujourd'hui, mais une sensibilisation de la population qui aujourd'hui considère les caniveaux comme étant des dépotoirs. Je pense que même il ne devrait arriver jusqu'à ce qu'il y ait des sanctions. Pour Alexis Guissaro, ministre d'État des ITP, cette opération concerne toutes les rivières et caniveaux de la ville-province Kinshasa. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.